high fidelity. It's great. Sex. That sounds fantastic. Perfect life. C'est le troisième anniversaire de la galerie à Bergerac et j'ai la chance d'accueillir le Johanna R qui présente pour la première fois de sa vie des bronzes. Ça fait 40 ans qu'elle travaille la terre et on va dire 30 ans qu'elle parcourt l'Angleterre, la France dans de nombreux salons, dans de nombreuses galeries. Et ben voilà, c'est à Bergerac que les premiers bronzes de Johanna R sont présentés. Il y a des montages, hein. Vas-y, tu dis ce que tu veux. Ah bah ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de faire cette exposition et c'est Bénédicte qui m'a permise de la réaliser, donc je suis très émue ce soir de voir ces bronzes à côté des racous, parce que je renie pas le racou non plus, j'aime beaucoup les racous et puis je trouve qu'ils sont bien ensemble en fait. Et alors ici, on a un original racou et le tirage en bronze, numéro 1. Comme vous savez, il y a toujours 12 numéros dans un bronze, avec des nuances extrêmement formidables. D'abord, on a des teintes, des patines extrêmement différentes selon les bronzes. Ensuite, on pourra regarder la poule. Hein. Voilà, on va regarder la poule. Voilà, alors ce qui est très très intéressant ici, c'est qu'on voit l'original, la poule en racou qui a été moulée et reproduite en bronze. Donc ici, on a le premier numéro et c'est une patine brune avec quelques reflets verts. Et voilà, donc c'est le premier numéro. Et il y a juste deux sculptures qui ont l'original à côté, une tortue et cette poule. Donc il y a une quinzaine de bronzes. Et puis énormément de racous pour cette exposition qui dure 3 semaines jusqu'au 20 avril. Et la chance d'accueillir Sébastien Gignot, qui est mon neveu. On s'est retrouvés l'été dernier parce qu'il avait un concert dans le coin. On va le laisser passer. Je crois cuisine 24. Donc il avait un concert dans la région près de Figeac, donc il est venu me voir, on s'est retrouvés et on est ravis. Et en fait Sébastien, c'est un petit génie qui parcourt le monde et donc aujourd'hui il est avec... Oui, on va boire avec Richard Dotti, mais après, oui, en rouge. Oui, sympa pour le montage. Alors... Donc Sébastien Gignot est venu de Paris pour nous et il est accompagné de Mathieu Guinot à la guitare. Et Sébastien, donc juste nous dire où tu vas aller dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, essentiellement à Paris et puis fin mai, là, je pars jouer au Canada, Montréal et Vancouver et puis peut-être un tour par New York. Et puis sinon des dates en province, hein, voilà, comme d'habitude. Voilà, et Sébastien est formidable et donc on va passer la soirée avec lui. Moi je suis quand même très content parce que c'est la première fois que je suis pistonné pour jouer par ma tante et je suis super content d'être là. Donc comme à chaque événement que j'organise, il y a une intervention musicale et il y a une dégustation de vin. Et donc là je suis très 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 contente d'accueillir Richard Dotti. Voilà. Qu'est-ce que vous nous présentez ? Mais déjà je suis très content d'être là parce que étant producteur de vins de Bergerac et de Saussignac, c'est toujours un plaisir de faire connaître nos vins aux meilleurs ambassadeurs de nos vins qui sont les Bergeracois. Donc d'avoir une occasion culturelle pour présenter les vins, ça me réjouit. Alors là, je présente
une petite partie de ma gamme de vins avec des blancs. On commence avec un blanc sec qui a la particularité d'être sans sulfite, hein, une parée assez osée. Également un Côte de Bergerac moelleux pour être dans les vraies traditions de la région, avec une petite nuance que celle-là est faite avec du Sauvignon. Ah oui, 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 bien sûr. Moi, je suis tellement convaincu de l'agriculture biologique, ça m'étonne toujours que quelqu'un n'est pas déjà en bio. Ici, à Bergerac, c'est une région qui a bien adopté la bio. Et, dans la région de Saussignac, on est plus de 40% des vignerons en bio. Donc, et oui, effectivement, je suis en bio depuis 1991. Donc, également des vins de Saussignac, donc des liquoreux issus de raisins botrytisés. Et dernièrement, il y a un rouge. Merci, merci Richard. That's fantastic. Perfect life.